Good morning, church. Good morning. Good morning, Reverend. I'm happy to be with you this morning. It's another great day, a beautiful day. The word calls these days the day that the Lord has made. Amen. Amen. We will rejoice and be glad in it. So, thank you again for being with us. Merci d'adorer avec nous, comme à l'accoutumée, le dimanche. Le rendez-vous est ici, à l'église HMBC. HMBC, Haitian Missionary Baptist Church. Amen. So we have the pleasure to share the word again this morning. I would ask you to open your Bible with me. We're going to read in the book of John. John, the chapter 10. We are going to read only two verses, verse 9 and 10. Jean, chapitre 10. Nous allons lire les versets 9 et 10. Jean 10, versets 9 à 10. Je vais lire dans deux versions. Suivez avec moi. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci de ce qu'il t'a plu Seigneur de nous mettre à part pour toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais nous voulons seulement entendre ta voix, Seigneur. Parle et que tes servantes, tes serviteurs écoutent ta voix en ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Everyone is striving for life. Everyone loves life. But the reality is we don't always have the right perspective on life. Tout le monde aime la vie. Tout le monde aspire à la vie. Mais en réalité, bien-aimés, nous n'avons pas toujours la bonne perspective sur la vie. On raconte l'histoire d'un homme à qui on a fait une offre à la fois alléchante et décevante. The story is told of a man to whom an offer was made, a tempting yet a deceiving offer. Yo dit non, y a belle possibilité pour vivre sans pas jamais manquer en rien. Tout ça qu'a imaginé le besoin y a bali. Santé, connaissance, l'argent, pouvoir, so everything he thinks he needs, they'll give to him. Health, knowledge, money, power, everything, except for one thing, love. And the possibility to be loved. Imaginez une vie pareille. Vous auriez tout ce que vous auriez voulu avoir. Sauf que moun pa remè ou. Et ou pa remè moun. Question c'est, est-ce qu'on t'a pas accepté une vie comme ça? So I would probably think twice about it. But I really hope that you will decline such a life. So you see, the point is, there's such a thing as the right perspective on life. And today, I would like to talk about it. Précisément, je vais vous parler de la vie en abondance. La vie en abondance. The life in abundance. In the passage, Jesus tells about two standpoints on life. On the one hand, there's the prospect of the thief who comes to steal, to destroy, to kill. On the other hand, there's the perspective of the Lord who comes to give life and give it in abundance. De côté donc, vous avez la perspective du voleur. Le voleur qui vient pour dérober, pour détruire, pour tuer. Et de l'autre côté, vous avez la perspective du Seigneur. Le Seigneur qui vient pour donner la vie et la vie en abondance. Peut-être allez-vous me demander, mais que signifie avoir la vie en abondance? What does it mean to have life and have it abundantly? Soyons clairs.
Avoir la vie en abondance, ce n'est pas nécessairement avoir une vie d'abondance. Je vais le reprendre. Avoir une vie en abondance, ce n'est pas nécessairement avoir une vie d'abondance. Having life in abundance does not necessarily mean having a life of abundance. Jésus, le Seigneur, a adressé ce message à ses disciples. Ceux qu'il appelle dans le passage ses brebis. Et ces personnes, bien aimées, pour la grande majorité, n'étaient pas des gens riches économiquement. C'était pour la plupart des personnes de vie modeste et qui ont vécu toute leur vie dans la modestie. Que signifie donc avoir la vie en abondance? Deux choses essentiellement. Premièrement, c'est avoir un surplus de vie, une vie spirituellement bien garnie que vous voulez partager avec les autres. Avoir une vie en abondance, c'est avoir un surplus de vie, une vie spirituellement riche que vous voulez partager avec d'autres. Having life in abundance is to have a surplus of life, a spiritually well-stocked life, so much so that you desire to share with others. Deuxièmement, cela signifie que vous avez la vie non seulement dans le présent ici-bas, mais aussi vous avez la vie dans le futur avec le Seigneur Jésus. It also means that you have life, not only in the present here, on this side of heaven, but also in the future with Christ. Les caractéristiques de la vie en abondance sont décrites dans la Bible. Having life in abundance is to have a life of love. La vie en abondance, mes bien-aimés, c'est une vie d'amour. La vie en abondance, c'est une vie de paix. A life of peace. La vie en abondance, c'est une vie de joie. A life of joy. C'est une vie de patience. A life of patience. La vie en abondance, c'est une vie de bonté. Et la liste continue. Bref, la vie dont nous vous parlons ce matin, c'est une vie riche du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit dont parle la parole de Dieu dans le livre des Galates, le chapitre 5. Some of you may ask, is such a life possible there on this side of heaven? And I will tell you, certainly, in Christ, it is possible. But don't take my word for it. Experience it for yourself. I challenge you. Approchez-vous de Dieu. Demandez-lui avec insistance et par la foi de connaître cette vie, la vie en abondance. Et vous verrez que c'est possible. Vous savez, bien aimé, la vérité, c'est que nous cherchons tous à avoir une vie d'abondance, mais pas la vie en abondance. Nous cherchons tous à avoir une vie d'abondance, mais nous ne cherchons pas toujours à avoir la vie en abondance. We all seek to have a life of abundance, but not necessarily a life in abundance. The life in abundance. Si tant à énergie nous t'émettez pour nous chercher bagay novissa, nous t'émettez seulement yon tiers là-dedans pour nous chercher vie na paléa. Nous t'apprenons qui est heureux, qui gagne dans le monde ça. Vous savez, l'ennemi de notre âme, il crée la confusion. Il nous fait confondre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Ce qui est secondaire et ce qui est prioritaire. Ce qui a une valeur éternelle et ce qui est passager. Pourtant, la parole de Dieu nous exhorte clairement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'ennemi, le voleur, il nous amène à investir, il nous amène à croire dans des choses qui sont secondaires, il nous amène à inverser l'ordre des choses. My desire, my thinking, my way first, then maybe God's way. Des fois, même pendant notre service, bon Dieu, priorité, non, en réalité, ce n'est pas la vie, bon Dieu. Hein? We simply try to use God just to get to our own personal end.
My children, I have two of them, two little sinners. I love them. There's a movie they like to watch. The movie is called Aladdin. In this movie, there's a powerful man. They call him a genie. The genie lives in a lamp. The person who owns the lamp is also the master of the genie. That means he can use the genie's power for his or her own personal benefits. Now, that person, he doesn't need to have necessarily a relationship with the genie. He doesn't have to know the genie to love him. He doesn't have to have anything to do with him whatsoever. As long as he owns the lamp, he owns the genie's power. I want to be guilty sometimes, or often, of trying to have the same type of relationship with God. We do some religious things, and we ask God to adjust to our life. It is not about God's life, His plan for our life. No, it is all about my life, my plan, and I will submit my plan to God for Him to make it happen. Le verset nous dit, mes bien-aimés, Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Avoir la vie en abondance, c'est avoir la vie éternelle. Et c'est le deuxième sens de cette vie en abondance dont je vous parle. C'est avoir la vie dans cette vie, mais pas seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Et je me tiens devant vous pour vous dire que seul Christ peut vous offrir cette vie-là. Vous me dites pourquoi? Eh bien parce que personne d'autre n'a conquis la mort. Personne d'autre n'a conquis la mort. Nous lisons dans l'Apocalypse le chapitre 1er, verset 8. Notre Seigneur, il déclare, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous savez, historiquement, personne d'autre n'a parlé de la mort au passé. Personne d'autre ne prétend tenir les clés de la mort et du séjour des morts. Le proverbe que nous connaissons, le proverbe dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais laissez-moi vous dire que la demeure de Dieu n'est pas Rome. Il n'y a que seul chemin qui mène à Dieu. Let me say that again. According to the proverb, all roads lead to Rome. But I'm telling you, heaven is not wrong. To go to the Father, Jesus is the only way. Amen. I know this is not a very popular idea nowadays, but the truth is not always popular. We all know some celebrities, people we probably like, who do not endorse this idea. The idea that there's only one way to God the Father. But let me tell you something. Jesus is our favorite celebrity of all. Yeah. Jesus is our favorite celebrity of all. And by far, la vie en abondance, mes bien-aimés, c'est une vie où Dieu est à la bonne place. Une vie sur laquelle il règne. Et c'est cette vie que Jésus veut nous offrir en ce matin. C'est cette vie qu'il est venu offrir à tous ceux qui se confient en lui. Et c'est cette vie que je partage avec vous en ce matin. Vous pouvez la voir. Une vie pleine d'amour. Une vie pleine de joie. Une vie pleine de paix. Une vie pleine de douceur. Une vie pleine de toutes sortes de fruits de l'esprit. Cette vie est possible en Jésus-Christ notre Seigneur. Le monde connaît les moments difficiles. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir cette vie aujourd'hui et maintenant. Amen. If you desire to know more, leave a message. Leave us a message. We will contact you. Amen. We will present you with more details about this life. If you need prayer and assistance, contact us. We will help you. But please, do not live a life as if there's no other perspective. There's a perspective for you. You can have a better life. Amen. I'm not talking about life of abundance.
full of things, all sort of material things. Maybe that can come too. But the will life I'm talking about here is alive with the Lord Jesus Christ. May God bless you. Know that cette vie est aussi pour vous, mes amis. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.